Définitif du concours d'entrée à l'école militaire interarmes de Koulikoro ont été proclamés il y a quelque temps. Pour intégrer cette école d'excellence, il faut répondre à certaines conditions physiques. Pour vous permettre de mieux comprendre ces conditions physiques, quelles sont les conditions surtout qu'un homme ou une femme doit remplir pour accéder à l'IMIA, nous sommes allés à la rencontre du directeur central du service de santé des armées. Suivons cet entretien. Il y a eu beaucoup de bruit à l'apparition des résultats. Mais je voudrais que la jeunesse comprenne que le recrutement dans l'armée répond à certains critères qui sont fixés par des directives relatives au recrutement dans l'armée. Il y a des directives qui sont là, bien fixées depuis 2015. L'inaptitude dans l'armée ne veut pas dire forcément que vous êtes malade. Il y a des normes morphologiques et il y a des normes cliniques qui sont bien établies et qui sont vérifiables partout. Quand on dit que vous êtes inapte dans l'armée, ça ne veut pas dire forcément que vous êtes malade. Pour certains, vous allez trouver que c'est des raisons cliniques parce que si vous constatez, la visite est faite en deux étapes. Il y a la visite corporelle. Pour la visite corporelle, il y a certaines normes qui sont là, notamment il y a la taille, il y a le poids, il y a la morphologie, l'aptitude à pouvoir faire certains mouvements. Mais après la visite corporelle qui a trait à la morphologie, à l'état clinique d'une façon générale, on vient maintenant au paraclinique. Dans le paraclinique, il y a toutes les spécialités qui interviennent. Il y a les ORL qui interviennent, les cardio, les ophtalmos. C'est l'ensemble de tous ces critères qui interviennent pour qu'on puisse déclarer l'aptitude d'un élément dans l'armée. Ces critères-là, c'est pour non seulement le bien-être de l'individu lui-même, parce que c'est un métier à haut risque, la formation, elle est ce qu'elle est, où il y a beaucoup de conditions à remplir, physiques et mentales. Donc, si vous recrutez quelqu'un qui ne répond pas à certaines conditions, par exemple, quelqu'un qui ne peut pas s'accroupir, alors qu'on sait au combat, des moments il faut s'accroupir, s'il ne peut pas s'accroupir, il s'expose et il expose ses voisins. Si quelqu'un a une pathologie transmissible, par exemple, non seulement la personne est exposée parce que il n'a pas les moyens de pouvoir se traiter dans certaines conditions, sa santé est mise en jeu et il met en jeu la santé de ses compagnons. Voilà pourquoi l'ensemble de ces facteurs, aussi bien morphologiques que biologiques, qu'il faut prendre en compte. Parce qu'il y va de la vie de la personne et de ses compagnons. Chacun peut aider l'armée, la position dans laquelle il est. S'il est dit que vous n'avez pas l'aptitude à tenir l'arme et combattre, vous pouvez quand même aider les militaires par d'autres activités. Bien sûr, les albions ne peuvent pas être exposés à certaines conditions extérieures. Leur vision est limitée. Ils ne peuvent pas, dans le coin de brousse, s'exposer à certaines choses parce que leur peau est déficiente en mélanine. Donc, ils ont une peau fragile. En les envoyant sur le terrain, c'est pour les exposer. Les personnes en position d'handicap ne peuvent pas, parce qu'on ne peut pas combattre étant sur place. On a besoin de courir, on a besoin de s'accroupir, on a besoin de ramper, sauter des obstacles. Mais quelqu'un qui est handicapé, il ne peut pas le faire. Quelqu'un qui a une addiction aux drogues, là, ça ne peut pas marcher parce que une fois sous l'emprise de ces produits, il ne se contrôle pas. Beaucoup ont été retenus cette année à cause de ça. L'aptitude dans l'armée, c'est physique et psychique. Parce qu'un malade mental, il ne jouit pas de toutes ses facultés. Non seulement il ne pourra pas donner des ordres, il ne peut pas recevoir des ordres et les exécuter. Et l'armée, c'est ça. Dire à la jeunesse que le recrutement dans l'armée répond à certains critères qui ont été bien élaborés
et approuvé par la hiérarchie est universel. On peut être premier national dans une discipline sportive et être inapte dans l'armée. Parce que l'aptitude dans l'armée, c'est la conjonction des critères morphologiques, psychiques, biologiques, paracliniques.